Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo organisation du matin. Comment je m'organise pour laisser les enfants à l'école, surtout à l'heure. Là maintenant, j'irai faire le petit déjeuner que j'ai d'ailleurs commencé en soirée. Parce que je dis toujours, pour moi, une journée réussie se prépare la veille. Je vous avais fait une organisation du soir, une routine du soir que j'invite d'ailleurs à aller regarder. C'est juste là, ou bien je vous mets le lien dans la barre de dans la description. Donc là maintenant, je vais aller continuer avec la préparation du goûter pour l'école que j'ai commencé en soirée. Je fais toujours l'effort d'évoluer à au moins 70-80%. En ce qui concerne le goûter, donc je commence le goûter. Pendant que le goûter se fait, je vais les réveiller à 6h. Donc je préfère réveiller les enfants à 6h. Là, elles ont le temps de se réveiller, sortir des vaches, maxi 6h15, déjeuner jusqu'à 6h30 comme ça. Ensuite, on va aux toilettes et on s'habille 7h. 7h10, on sort pour l'école parce que l'école n'est pas loin de la maison. 7h10, on sort pour l'école. Dans l'école, le retard, c'est 7h40. Donc, là, il pleut. J'espère que la pluie va nous permettre d'arriver à l'école à temps. Sinon, on va attendre qu'elle cesse jusqu'à ce que ce soit de telle sorte qu'on puisse entrer dessous avec les parapluies. Donc, on se retrouve dans la vidéo alors. Je sors du lit à 5h30 avec un salon tout rangé parce que je l'ai fait à la veille. Dans la semaine, sur au moins 4 jours, je me bats à respecter ma routine du soir, donc à me réveiller avec une maison propre et rangée. Toujours dans ma routine du soir, je m'arrange à prêter la table du déjeuner pour que le matin ce soit plus facile pour moi. Là, je gagne en temps en faisant autre chose. Comme vous voyez, les œufs, je les ai mis dans la marmite à la veille. Pour me lever le matin, mettre juste de l'eau dedans, allumer le feu et faire cuire. En fait, ce sont ces petites astuces qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des astuces gain de temps. C'est ceci qui fait à ce que je me lève à 5h30 au lieu de me lever à 4h. Ça me permet de dormir mes 7h de temps et me lever bien reposé. Pour faire cuire mes œufs, je vais mettre du sel dans de l'eau. Pour qu'au moment de casser, la coque quitte facilement. Je vais utiliser un chiffon et mon liquide désinfectant nettoyant multi-surface composé à base de bicarbonate de soude, vinaigre blanc et eau chaude pour nettoyer ma surface de travail. C'est prudent pour moi de le désinfecter ainsi. Je vais sortir le lait du frigo pour le réchauffer légèrement avant de mettre dans les tasses des enfants. Ce lait est un lait liquide semi-écrémé. Il m'arrive aussi d'utiliser régulièrement Nido en poudre.
Pendant que le lait va chauffer, je vais commencer à apprêter le goûter. Dans les bols des enfants, je vais leur mettre de la laitue, la carotte, du persil. Je vais venir découper les tomates. En fait, c'est un ensemble de légumes que je vais leur mettre dans le bol. Ajouter la mayonnaise, les œufs et du pain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette action de votre part me motiverait énormément à continuer à vous produire du contenu, à continuer à vous servir ce que je sais le mieux faire. Surtout, activez la cloche de notification pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes vidéos. Merci d'avance. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que là aussi, si j'ai un certain nombre d'abonnés, ça me motiverait à vous produire du contenu aussi de ce côté-là. Pendant que je suis en train d'apprêter leur goûter, je suis les enfants se réveiller toute seule. Je vais donc couvrir tout ce que j'étais en train de faire, aller les voir, prier avec elles et venir les faire prendre leur petit déjeuner. Dans la tasse de chacune, je vais mettre le lait chaud, ajouter le chocolat en poudre, le sucre et mettre encore un peu d'eau tiède. Et je viendrai m'asseoir avec ma tasse d'infusion de thé. Pendant ce temps, je vais aider la petite à vite prendre son petit déjeuner. Sinon, elle va me perdre le temps parce que manger le matin pour elle, c'est difficile. Il faut que je sois à côté. Après donc je reviens à la cuisine terminée avec leur goûter. Je vais éplucher les oranges, enlever les pépins et les milieux là pour leur faciliter la consommation à l'école. Pour celles qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie. Maman de deux filles, je débute sur YouTube et je vous fais des vidéos sur la vie de maman, organisation, routine ménage, entretien de sa maison, prendre soin de sa maison, de ses enfants, un peu de décoration et aussi les vidéos cuisine. En fait, je vous fais des vidéos sur la vie de maman pour qu'ensemble, on se motive pour mieux jouer notre rôle de maman et épouse. Les œufs, je vais les mettre en entier dans leur bol parce que quand je découpe, elles n'apprécient pas. Une fois terminé, je nettoie rapidement ma cuisine et je laisse telle qu'elle était. Je vais venir mettre une poêle au feu et réchauffer le pain qui a été acheté à la veille.
Et voilà, c'est terminé pour le goûter de l'école. Je n'oublie pas de mettre les fourchettes et puis je vais apprêter les filles. Je vais leur brosser les dents et mettre le savon sur le gant, les nettoyer et puis enlever le savon sur le gant et les essuyer encore. Je ne lave pas les enfants le matin parce que je trouve que c'est trop brutal de les laver le matin au réveil et les laver après qu'elles soient encore rentrées de l'école. Je préfère les laver après l'école, peut-être encore le soir et le matin, nettoyage rapide, direction école. Et puis je vais venir dans la chambre les habiller. Comme d'habitude, j'habille les enfants, caleçon, collant, démembré ou un tricot dans la tenue. Là, je suis sûre que même si j'oublie de leur mettre le pull et qu'en milieu de journée, une pluie déclenche, elles sont protégées contre le froid. La plus grande, elle s'habille toute seule. Elle prend soin d'elle, hein, toute seule. Moi, je m'occupe de la plus petite et on gagne en temps. Dans des boîtes à spray comme ça, je mets de l'eau de cologne que quand je finis d'habiller les enfants, je peux venir sur leur corps pour sentir un peu bon parce que l'odeur du mayanga n'est pas toujours une très bonne odeur. Et puis je vais aussi mettre sur leurs cheveux. Quand je laisse dans la boîte d'origine de l'eau de cologne, on verse facilement. Voilà pourquoi je transfère dans une petite bouteille spray pour utiliser facilement. Vous allez constater, l'école n'est même pas encore finie, mais mes filles, leur goût, c'est la catastrophe. Plus rien n'est en bon état. Du coup, elles vont terminer l'année en allant à l'école avec des bouteilles d'eau comme celle-ci. Vu qu'il pleut ce matin, je vais leur mettre les manteaux. Ne pas oublier leur cache-nez parce qu'actuellement à l'école, c'est obligatoire. Même si on est sûr qu'elles ne vont pas passer toute la journée avec ça. Parce qu'il pleut, je sens qu'il y aura de la boue dehors. Voilà pourquoi je vais mettre mes tennis pour ne pas glisser avec l'enfant. Et c'est le départ pour l'école. La pluie a un peu cessé de telle sorte qu'on puisse entrer dessous avec les parapluies. Ça ne va pas trop nous mouiller. Une fois dans l'enceinte de l'école, je vais enlever le manteau bien plié pour entrer avec, leur mettre les pulls au vert et changer les chaussures de ma grande.
parce que là, je lui avais mis les bottes pour la boue et la pluie. Je vais lui mettre les ballerines pour passer la journée parce que les bottes là, je peux pas laisser. C'est trop lourd de boue. J'avais mis les pullovers de chacune dans son sac. Du coup, je vais leur mettre ça et aller les laisser chacune dans sa classe avant de revenir prendre les parapluies, les manteaux et les chaussures de boue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.